Bonjour tout le monde, bonsoir, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser une affiche de menu food. Donc parlant de menu food, tout le monde sait déjà ce qu'on appelle le menu food. Ok, ici étant donné que j'ai choisi déjà la couleur de mon arrière-plan, je vais aller maintenant choisir une forme. Je choisis cette forme ici, une fois choisi la forme, comme ceci, je vais un peu diminuer la taille de la forme. Diminuer ça un peu. Ok, maintenant je vais aller dans l'option texture. Une fois dans l'option texture, je vais sélectionner les menus food que j'ai ici. Donc je sélectionne ça, je retourne dans texture, je remonte un peu pour que ça remplisse comme ceci. Ok, une fois fait, je vais encore copier ça 3 fois de suite, 3 fois. Ok, une fois qu'on finit de copier ça comme ceci, je clique sur celui-ci, je nettoie la texture, je sélectionne un autre comme celui-ci, je le place. Et là, après, je sélectionne encore un autre. Ah, excusez-moi, je vais changer ça. Je vais changer ça. Ok, c'est fait. Une fois changé comme ceci, je retourne. Je sélectionne un autre. Non, non, ouais, ok, celui-ci. Là, c'est bien déjà. Une fois fini de sélectionner comme ceci, je remonte un peu et c'est fait. Donc maintenant, je vais mettre les bordures en blanc pour que ce soit un peu efficace et joli. Si on peut le dire un peu comme ceci, ça soit efficace et joli, ça soit une affiche attrayante au fait, vous voyez. Donc, une fois fini, maintenant je vais aller sélectionner un menu, je retourne dans importer, excusez-moi, je retourne dans importer, je choisis un autre menu comme celui-ci, ce plat, et je mets ça tout juste au milieu de l'union entre les 3 plats, vous voyez déjà, et là ça présente quelque chose de bien. Donc je vais dans trait et je remonte la bordure, je mets ça en en orange, en vert, en vert c'est mieux, en vert c'est mieux, comme ceci. Une fois mis ça en vert comme ceci, je remonte un peu ici, ouais, et ça c'est bon, ouais, 4 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc sur ce, assurez-vous de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de regarder bien la vidéo pour voir comment ça se passe, les outils utilisés. J'espère qu'on a déjà parlé de l'interface de l'application Pixel Lab. Regardez bien, sachez bien que chaque outil a son rôle. Donc je vous prie de suivre bien la vidéo jusqu'à la fin.